Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Jedi. J'allais dire Fallen Order, pardon. Jedi Survivor. Pour la suite de notre grande aventure. Et on se rend sur Kobo. Tu rumines. Encore. Tu lis dans mes pensées? C'est pas une ruse, Jedi. Je suis juste attentive. Sur la lune brisée, j'ai vu Dagan affronter Santari. Il était tellement obsédé par Tanalore qu'il s'est totalement égaré. Ça me rappelle mon combat contre l'Empire ces dernières années. Disons que je veux pas finir comme lui. Tu es très entêté, mais ce n'est pas l'ambition qui te motive. Je comprends pas comment elle a pas remarqué le changement avant qu'il soit trop tard. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont souffert ensemble. Se réveiller d'un rêve commun n'est pas une chose aisée. C'est donc de ça que tu as peur. De te perdre. Oui. Un peu. Si jamais tu t'écartes de ton chemin, on sera là pour te ramener. Le doute. Bon, c'est normal de douter. Tout le monde doute. Mais c'est tellement mignon. En vrai, ils sont tellement mignons tous les deux. C'est incroyable. La mignonnerie de ces jeunes adultes. Oh là là, cale. Ta cape est dégueulasse en fait, hein, parce que je l'ai mis parce que je trouvais ça stylé, mais elle rentre partout. Elle rentre dans ton corps, la cape. Faut changer la cape. Faut changer la cape, j'ai décidé. J'ai décidé qu'il fallait changer de style. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pas de veste. Waouh. Et dans ce cas, il faut changer ce truc là, le haut là. Sinon, on peut se remettre en mode sauvage. Moi, cette tenue, je l'adore. Allez, let's go. Le mode sauvage. De nouveaux personnages ou de nouvelles conversations sont désormais disponibles. Bon, on va les converser, hein. Ils voulaient pas discuter avec moi après la mission, mais dans le bar, ils veulent. Parce qu'ils peuvent se beurrer la gueule, c'est ça? Bon, on va parler au perso principal, hein. Principaux. Oui. Ouvre la porte. Tu sais de quoi cet endroit a besoin? Une cabine sanitaire fonctionnelle? Non, de discipline. Ces saletés de pillards sont juste rentrés, comme ça, et ils sont partis avec Zed. Je quitte la planète pendant une seconde, et le salon est sans dessus dessous. Il va falloir bah, y a du monde aussi, hein. Que je peux pas jouer les petits chefs tout le temps. Les gens doivent apprendre à se défendre eux-mêmes, Grise. Tu peux pas te battre pour eux éternellement. Ah, toi, je te reconnais. C'est la dame avec la monture. T'as entendu parler du mogu qui traîne autour du marais? Y a un mogu là-bas? Ouais, et celui-là, c'est un sacré morceau. Il peut te casser les bras comme des bâtonnets de puerco. On verra ça. Eh ben, si t'es assez fou pour le tenter, t'as plutôt intérêt à éviter ces lancers de boue. Bon conseil. D'accord. Éliminer la terreur du marais. C'est là? Ah oui, c'est là.
Salut, Cal. Content de te voir. Oh. On fera peut-être des quêtes secondaires à la fin du jeu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ça en vidéo ou si je fais ça dans mon coin. Vous me dites, ouais, ça serait cool que tu fasses au moins les mini-boss. Parce qu'il doit y en avoir plein dans le jeu. Comme le Rancor. Z, as-tu un nouveau dialogue ? Roman, tu dois lui inspirer de la peur. Alors seulement, il dira la vérité. Oh, Cal, te voilà. Dis-nous, est-ce ainsi que ça s'est passé? Non. Je te l'avais dit. Grise ment. Comme c'est affreux. Il doit payer. On devrait le maudire, le faire souffrir. Mais... Si tu lui fais mal, il pourra plus te faire ses steaks de skaz. Personne ne t'a demandé ton avis, Calquestis. D'accord. Bon, elle a pas de dialogue. Avec la mort de Révis, les pillards du chaos ont subi une grande perte. Ils sont encore plus dangereux. C'est pas comme s'ils étaient inoffensifs avant. Non, en effet. Je vais veiller sur l'avant-poste. Les pillards risquent de frapper s'ils pensent qu'on est vulnérable. Je reviens aussi vite que je peux. Je te fais confiance. Je t'attendrai. On va aller voir nos fleurs. Tant qu'on est là. C'est pas loin. Ah. Pas mal. J'ai déjà vu des jardins moins florissants. Un nouveau spécimen, fascinant. Plantez-le et je vous dirai ce que je sais. Vous avez trouvé un piton gélatineux. Il a l'air fragile, mais son cœur est fibreux et résistant. Ça le stabilise. Mais ils sont pas prêts là? Les graines que j'ai trouvées seraient parfaites dans le jardin. Mais ils sont pas finis de planter là? Enfin de pousser? À maturité, bah à maturité ça veut dire donne? Non? Ça veut pas dire donne? Je comprends rien. Bon tant pis. Ah c'est l'or. Attends, on va descendre. Ok, c'est tout droit. Ah, j'adore le jaune. T'es sûr qu'on peut pas sauter là-bas? Il manque un petit peu. Salutations, madame. Je sais, je sais. Monsieur. T'en fais pas, ça va aller. Ça va? La bestiole a tendance à s'agiter quand il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais... J'ai appris à lui faire confiance. Vous allez dans la montagne? On dirait bien. Je sais pas si c'est de la folie ou du courage ou les deux, mais... Faites attention à vous là-haut, d'accord? Oui. Entendu. D'accord. Charmante personne. Nom d'une croûte de sel! Quelle cacophonie! T'as des cloches à tout pied! Comment bonjour. Tu t'appelles, gamin? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir. Moi, c'est Cal, et voici BD1. Ma vieille mère m'a appelé Skouvastev.
Je suis Scuva le pêcheur. Tu sais, il y a un aquarium au Pailoon Saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Le Pailoon Saloon ? Ce bar de pieds secs mal famé au fond de la vallée ? D'accord, d'accord. Tu forces la main ? Très bien. Retrouve-moi au Saloon et on regardera ce fameux aquarium de plus près. Bah, nickel. Tu me forces la main ? Pas du tout, monsieur. Oh. L'ascenseur n'est pas accessible. Très bien. Voyons ce qu'il y a là-bas, BD. T'as l'intention d'aller où, là ? Bon, je suis prêt. Salut, les gars. C'est interdit au public. Demi-tour, vermine. Je ne fais que passer. Rien de plus. Tout ce qui n'est pas endurancier ne peut pas traverser ce mur d'électrons. Prêt à faire feu, chef. Abattons-le avant qu'il devienne gênant. Négatif. On a des ordres. Tu ne pourrais pas faire une exception ? Tu sens ça, vermine ? C'est de l'air impérial que tu respires. Alors recule avant que j'oublie mes ordres et qu'on voit si t'es aussi coriace que ça. Répète-moi ça sans le bouclier pour... Tu vas désactiver ce bouclier. Je t'ai déjà montré mon autorisation. Tu m'as déjà montré ton autorisation. Chef, DK 783, poste de contrôle. Abaissez le bouclier. Hein ? Quoi ? Le bouclier abaissé ! Liquidez-le ! Bon, c'était rigolo en vrai. On aurait pu y aller tout simplement comme ça, mais bon. C'était rigolo comme dialogue en vrai. Ce sera pas facile. Pense au trésor, Shanna. Allez ! D'accord. Hop. Encore un autre éclat. Oh. Ennemi localisé. Oh. Bien joué, je m'y attendais pas. On contrôle pas. Hein. Bon, attends. Peut-être un petit coffre quelque part. Non ? Y'a rien vraiment ? Ah si, y'a un petit coffre. Oh la moustache ! Gâcher mon fun. Ah d'accord.
Attention. Beaucoup de dégâts pour rien. Pas très attentif là. Tout un nid de frémipèdes. Grise va adorer cette histoire. Oh là là. Encore pire. Hein. Oh mais c'est pas de l'eau. Le Jedi qui se suicide, pensant aller dans l'eau, quoi. Coup de géant. En fait, c'est tout ou rien, celui-là. Soit je les tue en une demi-seconde, soit il me résiste beaucoup trop. Il n'y a pas grand chose à voir. Payer. Allez. Hein. Très bien. Envoie-moi un style si tu peux. Merci du coup de main. Face à ce genre d'adversaire, les deux sabres sont de force. Combat de Gundam là. Très bien. Boum.
point de compétence. Non. Bon, on descend, hein. On va apporter ça demain. Voilà. Jette un œil, BD. Parfait. Les pillards font peur à l'Empire. Ça pourrait mal tourner, BD. Ça pourrait. Ça veut pas dire que ça va le faire. La visibilité est mauvaise. Il faut avancer. Ok, 150 mètres. On progresse. C'est quoi qu'on a examiné là? Bon, tant pis. Il faut que je me concentre. En avant, BD. Bon, non. On va pas changer la couleur. Hein. C'est une navette impériale? Je sais pas pourquoi ils volent dans ces conditions. On va voir. Je sais pas du tout où aller. Du coup, on va avancer au pif. Hein. Très bien. L'endroit devait être prospère avant. Maintenant, c'est une ville fantôme. Garde tes capteurs en alerte, BD. Je le sens pas, cet endroit. Moi non plus, je le sens pas. Là, il y avait... Oui, c'est une menace. En avant, BD. La dernière fois qu'on en avait croisé un, ça a été délicat. En grande partie parce qu'on avait pris de l'eau. Mais on ne refait pas la même erreur. Je savais qu'un truc clochait. Fais voir ça. On verra si ça peut intéresser demain. Bah, il y a quelques s'intéressent, hein, du coup, j'espère que oui. Hein. Ok, apparemment, il y a un chemin là.
quoi. Ah. Bah genre ça touche là. Petit écho. Cours, Shanna, on doit y aller. Sécurité renforcée, hein. Je me demande qui voulait cacher tout ça. Oh là là. La moustache de Schlag. Apparemment ça passe. Non. Non. Nickel. Ah bah nickel, ça me remet là. Tu veux pas me remettre là-bas plutôt? C'est-à-dire je peux pas sortir de là, hein. Parfait. Ah mais ça glisse là. Ah bah c'est un boss. Parfait, je viens d'utiliser toutes mes potions de soin. Ouf. Il m'a quasiment one shot. Hein. Oh, d'accord. Oh, bah, j'avais pas vu. Hein. Bon, on va aller se venger. Ah, en temps normal, normalement il est pas censé me résister autant. Ce coup. Vraiment, il est faible, hein. Je comprends pas pourquoi je galère autant. Mozy avait raison. C'était une sale bête. Ah mais c'était ma quête secondaire en fait. Bah très bien. Une bonne chose de faite. Courage.
Bon, au moins on a été vengé. Les prospecteurs s'en vont et les bêtes s'installent. Pas vraiment un nid douillet. Donc on est quasiment arrivé. C'est plus sûr que de marcher. Quel débile. C'est bon, j'ai vu où c'était. Où ça mène ça? En vrai, si on peut récupérer nos PV, ça me ferait plaisir là. Non, on peut. Respire. Ça va nous faire du bien. On a eu énormément de difficultés. Hop. Pouf. Il y a eu un petit malaise, hein. Quand je me suis raté là. Bien joué. Pas trop vite. Gardez vos distances. L'Empire t'anéantira. Voilà. Alors là, si je cherche à m'enfuir, mon gars. Je sens la pression. Oh là là. Les pirates le voient. Ok. Ça fait du monde pour sécuriser une navette. Il doit y avoir un truc important dedans. Très bien. Pas une bonne idée, hein. C'est pas leur choix.
jour à ces droïdes. Un Purge Trooper. Ça, il l'avait bien cherché. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ça? Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ça? Non, BD. T'as fait de la merde, c'est pas nickel. Faut y aller! C'est une sorte de fléchette électronique. La prochaine fois, essaie de lancer une analyse avant de tirer. Vraiment BD qui tire et après il réfléchit. On va jamais s'en servir. Bon, peut-être maintenant là. Ça c'est le caca. Il faut calculer notre coût. Ah ok, bon en fait on est obligé de s'en servir. Hein. Sinon on avance pas. Hein. Ok. Moi je pensais que c'était un truc pour le combat. Moi aussi. Parle de moi. En vrai, on aurait dû passer 15 minutes ici. On y est resté 50 minutes. Changeons d'angle de tir. Ok, là il y a un trou. Bon là, l'angle n'est pas complexe. Je pensais qu'il allait revenir automatiquement, mais non. Il faut réajuster ta visée. C'est fort, hein. Ça met nous là. Nulle part, ok, parfait. Ah si si, ça mène quelque part, mais juste j'ai pas le pouvoir encore. Pour ouvrir la porte. Faut pas tricher. Et voilà. Quelque chose là-haut. Hop. Eh, hey, BD, on y va. Scanne-moi ça, mon grand. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Le Tsubo. C'est normal. La condensation que respire ton
Là, il y a un challenge. Il y a quelque chose ici. Oh, l'épée à deux mains. La pose est finie. J'y vais. Boum. Moi j'imagine ils vont me mettre Tu es faible. Ah, on va tous nous arrêter. Confirme. On y va, vite. Il est sur la défensive. Bah oui. Oh, le dropkick. Mais je savais pas que je faisais des dropkicks comme ça. Oh, bien joué. Alors, je sais pas combien il y a de rounds. Mais on est très mauvais avec cette arme hein, pour le moment. The World. Tokyo. Tomare. Enfin un beau combat, voilà. Je vais juste exterminer Minable. Oh, bien joué. Un peu à la vie. Boum. Ouais, ça c'est les problèmes. Dès le début, hein. Ça m'aurait bien aidé. Hein. Je ne suis pas un homme. Moi, je me prépare à relancer. Hop. Facile. Oulé ! Oulé ! J'ai réussi. On n'a pas l'habitude avec cette arme, ça c'est vu. Hein. Salut. Ah, ça le one shot pas. J'étais si sûr de moi. Hmm. T'as vu un truc? Bien joué.
Ça marche pas. Très bien. On a 3 points de compétence, on doit bien pouvoir prendre un truc dans le sabre laser, non? Ça, on l'a. Résilience. Esprit confus, ouais. Rien de pas. Sacrée puissance de feu. Et pourtant, ça va leur servir à rien. Salut les gars. Oh, je pensais que j'étais à côté. Le truc m'insulte d'incapable, quoi. Voilà. J'aime pas trop les calamités. Ouf. Oh my woman. Ah non mais c'était stylé. Ça devait être stylé. Attends, refais. Arrête, je veux faire une attaque stylée, attends. Voilà. Voilà, c'était stylé. C'est stylé. Bah. C'est moi où il a cancel son. Voilà. N'oubliez pas votre entraînement. The World. Tokyo Tomare. À quel moment pendant le tractage? Oh là, on a pris cher pour pas grand chose. Oh my woman. Oh les scanners. Ah, ça compte comme une attaque. Ils ont quoi comme arme là? Ouais les gars. Moi oh, bien joué. L'autre est mort. Et lui il se touche les couilles non? Sors de ta cassette du patois.
feu. Impossible d'avoir un bon angle. Comment il fait pour tout bloquer? Boum. Bon, par contre, les deux là-bas. Les deux là-bas, c'est le problème. Hein. Je pensais pas qu'il allait me rattraper. Non, pas lui. Mais... Ah, faut taper, il faut tuer le petit. Hein. Tant que le petit est en vie. Ouf. Ah, il a rien senti de la bombe. Hein. La mort. Ouais. Oh là là. Ah ok. Du coup le combat est très long mais c'est juste pour te préparer à deux gros à la fin quoi. Bien. Toi tu viens. Toi. Moi je me rate hein. Je sais pas pourquoi mais j'arrive à me rater quoi. Rends mes PV. Mon mecha est déjà mort là. Il est plus puissant que je le pensais. Bah c'est un Jedi. Respectez-moi. Boum. Vous méritez mon deuxième sabre. Là. Boum. Je te poursuis la nuit. Ah. Mais non. Non. Oh, le temps que ça revienne. Oh là là. Complexe. Hein. C'était le dernier. Fou. Bonjour. Comment allez-vous? Vous voulez discuter un peu? Ne bouge plus, je te laisserai pas passer. J'ai vu ce que t'as fait aux autres vermine Jedi. Mais ça m'arrivera pas à moi. Même ta sorcellerie peut pas traverser 15 cm de transpatie impériale. N'est-ce pas? Les relevés structurels indiquent que nous sommes en sécurité, chef. Ah, parfait. Tu devrais ouvrir la porte. Ouais, tu devrais. C'est une inspection. Tu as ordre de me laisser passer. C'est... une inspection. J'ai ordre de vous laisser passer. Pardon de vous avoir retenu, chef. Je suis sûr que vous trouverez tout en ordre. Espérons-le. Merci, mon pote. Il a ouvert où, par contre? Il a ouvert à côté. Merci, hein. C'est sympa. Leur stupidité ne les empêche pas de conquérir la galaxie. Bah oui. Un million de mecs stupides, c'est plus fort que 1000 génies, quoi. On est où, là? On est où? Ah, bien vu. Ah, bien vu, BD. Comment on tire? Comment on tire? On va réessayer. J'oublie vite, hein.
va faire un tour. D'accord, Birdy. Qu'est-ce que t'as à faire? Oh, le raccourci. Mais c'est un raccourci vers des ennemis. Moi, je veux un point de sauvegarde. Un Rick, le technicien. Ah, pas du Rick. Il t'est battu vaillamment. Ah, le mec, il était glorieux dans sa mort. Cette garnison tiendra face à une attaque des pillards. Je sais, je sais. Qui tu veux voir gagner, le Rancor ou le Gundark? Ça n'avance pas par là. Ça fait haut. Faut pas regarder en bas. C'est ce qu'on m'a appris. Hein. C'est ce que m'a appris la télé. Ah, Birdy qui aime pas ma phrase. Impressionnant. On revient de loin. La qualité prime sur la quantité. Un génie vaudra toujours plus que 100 abrutis. Ouais, mais si les 100 abrutis sont armés. Ah bah là... Attention, hein. C'est pas le bon. Hop. Bien joué. Bah... la crête du sommet. Du coup, je disais tout à l'heure, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, au revoir.